Bonjour, c'est le zapping du jour avant la suite. Allez, à tout de suite. Inspiration dressed in red. She's spinning all my friends' heads. Now on a rainy afternoon, I ask. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un groupe phare du mouvement Rock in Opposition et d'un album paru en 1978. Donc je vais vous parler de Hopes and Fears du groupe Heartbears. Heartbears, hein, qui est composé de Chris Cutler, Fred Frith et Dagmar Crowes. Alors, le groupe s'est formé, en gros, si on peut dire, hein, sur les cendres d'un autre groupe d'avant-garde, hein, de musique d'avant-garde, qui s'appelait Henry Coe, hein, dont je parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Hein. En fait, l'album Open Spheres, une partie des titres de l'album de cet album était prévue pour paraître sur un album d'Henry Coe, mais il y a eu des dissensions, des divergences entre les trois membres d'Heartbears, hein, Cutler, Frith et Crowes, et les autres membres du groupe par rapport au style de l'album, à la façon de l'enregistrer. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les chansons litigieuses, entre guillemets, qui ne plaisaient pas à une partie du groupe, ont été enregistrées sur le nom d'Heartbears, hein, ce qui n'a pas empêché les autres membres d'Henry Coe de participer aussi, puisqu'ils étaient quand même... les enregistrements avaient été faits en partie avec eux, hein. Donc c'est un album, je dirais, à la fois d'Heartbears et d'Henry Coe, mais avec la volonté propre de Chris Cutler, Fred Frith et Dagmar Crowes d'imposer leur marque et leur vision de ces chansons, cet album, hein. Alors, musicalement, c'est inclassable, hein, voilà, je ne pourrais pas dire mieux. Il y a la voix de Dagmar Crowes qui est particulièrement expressive, hein, et puis derrière Fred Frith et Chris Cutler qui se sont montrés comme plus comme des bricoleurs de son que comme des véritables instrumentistes, hein. Fred Frith est un guitariste absolument
absolument génial, hein, et Chris Cutler, batteur percussionniste de très haut niveau aussi, hein. Mais sur cet album, bah, ils se sont peut-être un petit peu lâchés, quoi. C'est un album, une musique entre expérimentation d'avant-garde, avec des sons triturés, avec une ambiance rock parfois. Pas du tout jazz, pas du tout free jazz, hein, rien à voir avec ça. Et puis, malgré tout, la voix de Dagmar Kroese est tout aussi importante que les expérimentations sonores de Chris Cutler et Fred Frith. Hein. Voilà, j'arrive pas à classer musicalement cet album. Hein. Pour moi, c'est du rock d'avant-garde. C'est du voilà, il y a une ambiance très particulière. Hein. C'est vraiment un album inclassable et un album, à mon sens, fondamental de ce courant musical. Hein. En plus, la production, est assez, comment dire, minimaliste, hein, même presque rustique, hein, mais ça va tout à fait avec le style musical. Hein. Voilà. Après, pour parler de l'album, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein, logiquement, il y a un poster avec, mais moi, je n'ai pas le poster. C'est un pressage anglais, un pressage original de 1978, hein, que j'ai trouvé dans un vide-grenier à côté d'Aix, mais pas sur le stand d'un vendeur lambda, hein, qui vendait quelques disques. Hein, c'était sur le stand de quelqu'un qui, sur ce vide-grenier, était présent tous les ans pour vendre une partie sans doute de sa collection et des disques de ce calibre-là en général. Hein. Le type, je ne saurais plus dire comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, un peu avant le confinement, on s'est croisé. On a même parlé de ce vide-grenier qui avait été en 2019, qui aurait dû avoir lieu en septembre 2019 et qui a été annulé pour des raisons qu'on n'a pas bien compris. Hein. Voilà, lui, il aurait voulu reprendre l'affaire, mais essayer de le réorganiser, mais apparemment, il n'a jamais eu de réponse. Et donc, ce que je sais, c'est qu'il est à la fois musicien, producteur, et que donc il a un goût très prononcé pour ses musiques assez expérimentales. Hein. J'ai vu souvent dans ses bacs des albums des Residents. J'ai acheté chez lui peut-être l'année d'après, le Hot Rats de Frank Zappa. Voilà. Donc, bon, par contre, en toute honnêteté, il ne fait pas des prix de vide-grenier, mais comme c'est un album que je connaissais depuis très longtemps, puisque j'avais découvert cet album entre 86 et 87, hein, avec le copain à Toulouse qui m'avait lui aussi initié au jazz, hein. Je voulais absolument le retrouver. Mais voilà, ça a été l'occasion d'acheter cet album que je vous recommande d'écouter. Il peut paraître un peu aride, un petit peu âpre, un petit peu difficile, mais quand on l'écoute attentivement, vraiment, vraiment attentivement, c'est vraiment un excellent album et qui n'est pas si ardu que ça à écouter. C'est particulier, c'est inclassable. C'est un rock d'avant-garde, voilà. C'est un rock d'avant-garde absolument, enfin moi que j'adore. Hein. Voilà, donc Art Beers, et puis bon, je vais essayer de vous mettre deux ou trois extraits à la suite si je peux. Hein. Voilà, en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Hein. On est déjà jeudi 23 avril, les semaines avancent, les jours se ressemblent tous peut-être plus ou moins. Hein. Et puis... on verra ce qui sortira de cette histoire et comment va se passer ce déconfinement prévu dans 3 semaines, hein, si tout va bien. Enfin, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bon week-end à venir quand même, et puis portez-vous bien
Et puis je vous dis à bientôt. Allez, je vous embrasse les amis. Bye. In such a country and at such a time there should be no melancholy evenings, even high bridges over the river. Thank you.
terror in the town. We understanding me. I speak as you would speak. I see as you would see.